Selon vous, où dois-je aller? Ah! Ah! Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Ah, merci, Monsieur Duff. C'est pas le nom de la bière dans les Simpsons? Bon, avant que je te pose des questions, là, je vais scruter toutes tes affaires. Mélancolie? Ah ouais, ok. Pas de montre? Pas, c'est pas parce que tu portes ça que t'es obligé d'avoir une montre. Sherlock, il pense à des marques d'alliance. Pourquoi tout le monde je m'en fous de l'alliance! Bouton manquant. Je comprends pas. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. An economist! Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Je sais pas, mais il parle. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. D'accord, c'est bon. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Non, vous avez vu comment il parle comme... Il parle comme s'il était sous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wow, j'ai beaucoup d'affaires que j'ai jamais... What the fuck, bro? Bon, rail manquant. Bon, wagon spécial, rail manquant, non? Prototype assuré. Ah. Mobile de Robinson. Grâce à l'assurance et aux multiples contrats exclusifs qu'il a signés frauduleusement, M. Robinson touchera une jolie somme d'argent suite à la perte de son prototype. M. Robinson, c'est pour ça que tu veux toujours un remboursement. Ah non, tu veux un remboursement. En plus de vouloir faire plein d'argent sur le dos des investisseurs, il veut faire 5$ de plus pour un ticket de train. Comment peux-tu être... Oh non, arrête. Comment peux-tu être aussi cheap que ça? C'est pas croyable. Vieille voix de la carrière, télégramme, non, carrière inondée. Oh, oh, oh. Peut-être coulé. Le train a pu être englouti dans la carrière inondée de Doncaster Station. Non, le train ne peut pas être englouti dans la carrière inondée parce qu'il manque un tronçon de rail d'avoir ferré qui le mène. C'est sûr. Regardez, si je fais ça, ça se contredit. Voilà, je le savais. Bon, prochain indice. Télégramme de Doncaster. Un prototype, plusieurs clients, non, wagon spécial, vol de voie ferrée. W à colle et les chiliens, rail manquant vers les mines. Bon, d'accord. Rail manquant, W à colle, vieille voie de la carrière, prototype, vol de voie ferrée. Yeah. You. Ah, il est là. Quelqu'un a volé les rails pour réparer temporairement le tronçon manquant de la voie ferrée qui mène vers les mines. Qui mène vers les mines ou... C'est écrit qui mène dans les mines, mais moi je dirais plus qui mène vers les mines. Train enseveli. Le train a été enseveli dans l'effondrement des mines. Ah ah! Femme du prix. Non? Oh, attends. Ah ah! J'ai tout trouvé! Y a plein de petits spermes ici, hein? Il pourrait faire plein de bébés ici. Sherlock, mon petit Sherlock. Quelqu'un a volé les rails pour réparer temporairement le tronçon manquant de la vieille voie ferrée qui mène à la carrière inondée. Quelqu'un a volé les rails pour réparer temporairement le tronçon manquant de la voie ferrée qui mène dans les mines. Ok. Hein? J'ai pas déjà fait ça? The fuck, hein? Ah, mais... J'arrête pas d'appuyer le mauvais bouton. Je veux rester ici. Ok. Un prototype, plusieurs clients. Aha. Aha. Bon, mobile de Robinson. J'ai pas déjà fait tout ça? Ok.
Bon, la disparition de la machine est un désastre pour un monsieur Robinson. Malgré ses intentions de fraude, il a perdu plus qu'il ne peut en tirer, puisque l'assurance ne couvrira pas le coût total du prototype ni ses revenus. Ben non, c'est pas une victime. C'est sûr, c'est pas une victime. Regarde, ça se contredit. Ça se contredit. Oh. Okay. Télégramme. Non. Parfait. Parfait. Donc, peut-être c'est pas un accident. C'est Chilien à bord. Et Robinson victime. Ah ha! Robinson victime. Les Chiliens ont escamoté le train pour voler le prototype de Monsieur Robinson. Ça commence. Peut-être couler. Ah, non. Ok, pas couler. C'est parfait, parfait. Disparu avant. Donc, tout est parfait ici. Nous avons tout trouvé. Donc, allons explorer la plage. La plage est où? Hein, c'est ça? Allez explorer. Ouais. Passez la gare de Doncaster au Peng Fin. Inspectez la plage qui borde le lac. La plage. Où es-tu, plage? Est-ce que t'es... C'est là-bas, là? Entrez! Vous regardez, là! Au fond! Derrière, là, tout ça... Il y a un fantôme qui va sortir. Ouais. Ouais, derrière tout ça, il va avoir... Il y a sûrement un fantôme. Regardez. Regarde. Ah, c'est Monsieur Watson, le fantôme. Bon, c'est ça, le lac? Mais alors, où est la plage? Est-ce que je peux... Ah, ok, c'est ce que tu... Ok, c'est ça la plage. J'avais un objectif que... Il me semble que je devais scruter Doncaster, là, l'endroit où je viens d'être, là. Oh, here au we Peng are Fin. At the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Ouais, je vais scruter au Peng. Après avoir visité la plage, parce que moi là je veux me baigner avec les sexy ladies, mais il y en a pas. Une plage sans sexy ladies, en fait sans personne, c'est pas une plage. These traces were made by a carriage. Look. J'ai regardé. Non. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Pierre, ok. Trace de véhicule lourd mesurée, examinée. Ok, on va mesurer. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. C'est le même que l'autre. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Oh, oh, oh! These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Je suis un génie! Je suis arrivé à la même conclusion! Oh ouais! J'ai un IQ qui est similaire à Sherlock Holmes! Youhou! Ok, je sais que c'est pas vrai là, mais... Laissez-moi rêver un peu. Oh! An abandoned gypsy caravan. D'accord. This place was abandoned fairly recently. Ouais, je le savais aussi! Oh! Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Je comprends pourquoi il n'y a pas de sexy ladies qui voudraient aller se baigner là-dedans. Voyons donc. Ce serait seulement des sans-abri qui oseraient se baigner là-dedans. Voyons donc. Allez. Oh, il y a eu des vêtements. Oh! Je vois qu'il y a eu du sexy time entre quelques personnes ici, hein? This place... Il y a eu du sexy time. Où sont-ils? Je suis sûr qu'ils se cachent quelque part ici. Ils sont tout nus, ils n'ont pas de vêtements et ils sont en train de s'amuser. Allez, où êtes-vous? Un hambourgeois? Est-ce que c'est un hambourgeois? Ah non, ok. Réclame de tour en bateau. Ton bateau a l'air sale, mon gars. An advertisement for lake cruises. Yeah. C'est tout? Tu m'as fait zoomer la caméra juste pour ça? Voyons. Oh, les toilettes! Une toilette qui n'a pas de shot! What the fuck? Qu'est-ce que... Hey! Alors, attends, dis-moi pas que le monde chie sur le bois ici. D'accord. Mindfucked, hein? On se fait mindfucked, les amis. Oh, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, non, c'est pas ça. C'est pas cette affaire-là, là? Non. Ok. J'utilise... Oh, peut-être que je peux monter là-bas. Bon.
Selon le jeu, il faut que j'utilise cette vision. Mais je ne sais pas pourquoi. Non? Bah, arrête, j'ai jamais voulu sortir d'ici, voyons donc. Pourquoi j'utiliserais cette vision? Il faut que je regarde à terre sur moi. Non? Ici? Oh, ici, les traces de pas. Non? Non, pas les traces de pas. Ici, les roches? Sherlock, peux-tu me dire qu'est-ce que tu veux exactement? Sherlock, les toilettes? Non. Le cheval? Il y a besoin de chier? Non? Ok. Est-ce que j'ai besoin... Ouais. Inspecter la plage qui borde le lac. C'est ce que je fais, mais... Je ne trouve rien d'intéressant, c'est ça le problème. Regardez, quand... En haut à droite, là, je suis là, il n'y a rien. Là, il y a une petite image qui me dit « Deviens un aigle !» C'est ce que je fais. Alors là, c'est sûr à 100%. Il faut que je trouve quelque chose, là. Quelque chose ici. Oh, ça. Ah, déchets sur le sable. Plaque métallique. C'est de l'argent! C'est de l'argent! Oh! Las Vegas. Oh, Las Zarpas. A label with the name Las Zarpas. Las Zarpas. C'est comme ça. Ok, c'est avec l'accent. Las Zarpas. Bon. C'est tout? Oh! Inspecter la plage. Achevé. Parfait, parfait. Bon, passer la garde d'Ancastle au peigne fin. C'est ce que je vais faire en ce moment. C'est ce que j'avais laissé... C'est ce que j'avais laissé tantôt. Mais maintenant, je vais y arriver. Oh oui. Bon. Néon Mars. Voyons donc. T'étais à deux doigts de te masturber sur le cul d'un or. Tu regardes trop de la Terre du Milieu, mon gars. Oh, un Chinois! Un Chinois! Il essaie de s'enfuir, le Chinois. Le Chinois essaie de s'enfuir. Funny character. He looks anxious. Oh, oh, c'est un riche. Il avait un cigare. Et il a même pas éteint son cigare. Vous, là, les fumeurs. Ceux qui fument, vous êtes mieux d'éteindre vos cigarettes quand vous les jetez. Vous savez, vous fumez, vous les jetez, là. Vous êtes mieux de l'écraser pour éteindre le bout du feu parce que vous pouvez faire brûler quelque chose. Et si vous faites brûler une station de police, préparez-vous à vous faire massacrer la gueule. This scent is familiar to me. But in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. La première fois que j'ai fait ça, j'ai totalement foiré. Je sais pas comment je vais y arriver. Je comprends pas comment ça marche. Déplacer et tourner les éléments pour reconstituer les associations aromatiques. C'est ça, je peux juste bouger en haut, en bas, gauche et droite. Et je peux plus rien toucher. Il y a rien d'autre autour, n'est-ce pas? Ici non plus, c'est ça. Alors, Ah, oh, ok, peut-être c'est... Ah, oh, ok, quelque chose comme ça. Ah, oh, ok, je crois, je comprends. Attends. Est-ce que c'est ça? Non, attends, peut-être ici comme ça. Et là, je prends les feuilles. On va déplacer comme ça, attends. C'est ça, non? C'est parfait, non? L'image est parfaite. Moi, je trouve que l'image est parfaite. Non? Putain. Mon petit Sherlock a une grosse imagination. Regardez, l'image est parfaite! Le jeu est en train de m'insulter, là. Il dit que je sais pas comment reconstituer ces morceaux. Non, ok. C'est sûrement pas comme ça. Ok, ok. Je vais reconstituer les morceaux qui sont là d'abord. Regardez. Attends. C'est comme ça. C'est un chapeau de sombreras. Bon. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo, you already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality, quite an expensive one too. Wow! C'est pas croyable. Il a pris ça, il l'a mis dans ses poches. C'est son pantalon va brûler. Il sait même pas faire les choses basiques. Come on, mon gars. Ton pantalon va brûler. Regarde. C'est en feu, là. C'est en feu. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ouais, moi aussi. Ne t'en fais pas. Ok, on y va. On va chercher le petit Chinois, you.
Où est parti le petit chinois? Magazine hippique. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Ok, c'est pas des magazines épiques, c'est des magazines hippiques. Ah, le jeu de mots. A telegraph. Oh, toi et tes télégraphes là, tu devrais arrêter. Tu devrais arrêter avec tes télégraphes, mon gars. Oh, T. Oh, cendrier, morceau de papier brûlé. Oh. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Oh, ho, ho. Ok, satané chien qui croit pouvoir nous déposséder de notre société. Nous ne devons pas les laisser faire, je pense. C'est la première fois qu'on voit un texte en français. D'habitude, les textes dans le jeu sont en anglais et les sous-titres sont en français. Vous comprenez? Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Je crois que c'est un français, c'était pas un chinois, le gars, tantôt. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Ouais, en gros, c'est de la merde. Hein? A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Je sais pas d'où il sort toutes ses connaissances, mais dis-moi pas qu'il fait des recherches sur les cigares, sur les vêtements, sur les trains. Il sait tout faire, ce cher gars, hein? C'est pas croyable. Si j'avais son cerveau, là, j'allais aller draguer les femmes et les amener chez moi. Et mon petit bonhomme, il gaspille sa vie. Bon. Hey. Monsieur Ricardo. Allez. T'as fumé du Ricardo. Oh, oh, oh. T'as pas vu un gars qui a couru ici? Tu peux pas me dire où ce qu'il est passé? Ah, Mexicain. C'était un Mexicain, c'était pas un Chinois. Putain. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Parlez au fumeur de cigares. Le problème, c'est que c'est un Mexicain. J'ai plus envie de lui parler. Pas que j'aime pas les Mexicains, mais c'est que je croyais que c'était un Chinois. Mais j'ai été trompé. Ce jeu m'a trompé. Je le déteste maintenant. Oui, il est parti. Oh. Le problème, c'est que... Ah, je sais, il va faire un jump scare. Il va me sauter dessus et là, il va enlever mes vêtements. Ah, mon petit gars, où es-tu? Encore? Il est revenu. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Aha! T'es un Chilien, hein? Allez, oh, regarde. Regardez ce Mexicain avait un gros accent, c'était génial. Oh, j'adore ta barbe. Allez, ta petite barbe là. Oh! Il est vêtement élégant, il est allé à un party, hein? Sport de combat. Comment tu peux savoir ça? Je vois rien. Quoi? Cigare de luxe? Sport de combat? Il fait de la boxe ou bien peut-être du capoeira, je sais pas, lâche carrure. Non, il peut pas faire du capoeira, c'est pas possible. Peut-être du karaté, non? Peut-être taekwondo, non, taekwondo c'est les pieds, donc c'est pas les mains. Mais on utilise les mains en taekwondo, mais pas autant que ça. Reed, il est vieux, hein? Tu parles pas d'alliance? C'est la première fois que tu cherches pas l'alliance, cher mec.
Je croyais mexicain. Chile. But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Oh. Oh. Non, cigare mexicain, ça n'a pas trop rapport selon moi. Plaque, la Zalpas. Police d'assurance, carte ferroviaire détaillée, bon. Because of your cigars. Si, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Oh. Putain, il sait tout, c'est un dictionnaire vivant, ça? Oh, ce cigare, tu ne peux pas le trouver ailleurs que... Oh, blablabla. Comme comment tu peux savoir ça? C'est pas possible. Tu passes ton temps à faire quoi dans la vie? Tu es bloqué chez toi à lire ta bibliothèque? C'est une vie plate. C'est une vie plate. Wow. Que vous... I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them. Or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Wow. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Mm-hmm. Vous avez vu son mélange de langage, là? Buenas tardes. J'ai oublié qu'est-ce qu'il a dit, mais il a fait un mélange d'anglais et de sa langue maternelle. C'est quoi? L'espagnol? Je sais pas. Bon, ok. En tout cas. Bon, allez. Cigaretto, cigaretti, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais cigaré quelque chose, là. J'ai une mauvaise mémoire. Résoudre le mystère, passer la garde de Doncaster au pain fin. D'accord, mon ami. Nous allons passer ça au pain fin.